ras-le-bol de ce pas de canard. Cette année à Noël, je vous garantis qu'on va se dorer le poil au soleil. Oh oh, c'est la classe, non? Même les elfes du Père Noël peuvent aller se rhabiller en regardant deux Bannisters. Dégagez la piste. Stylé, non? Le col en fourrure, j'adore. Mais on va en Californie. Je vais transpirer comme un ours là-dedans. Maillot de bain? Ok. Maillot de bain de rechange? Ok. T-shirt? Ok. Truc rouge? Ok. Californie? Me voilà! À moi le soleil, les plages de sable blond et l'ambiance de Noël à Malibu. Que rêver de mieux? Wouhou! Quelqu'un peut décrocher? Ah, le chien doit tout faire dans cette maison. Allô? George? Est-ce que c'est toi? George! Oh, tu as encore mangé les beignets de crevettes de cet affreux resto chinois? Oh, moi c'est fini, je n'y mets plus les pieds. Dis donc, ça n'a pas l'air d'aller, toi. Grand-mère, c'est moi, Zeus. Tu comprends pas le chien? Bon, comme tu as du mal à parler, je ne vais pas te tenir au téléphone trop longtemps. Je voulais simplement vous souhaiter bon voyage sous le soleil de Californie, l'Eldorado des surfeurs. Ouais, voilà, amusez-vous bien là-bas. Et surtout, soyez prudents sur la route. Vous ferez de gros câlins, mes petits-enfants, et plein de bisous pour moi. Et à Zeus aussi. Moi aussi, je te fais un gros bisou baveux, grand-mère. Oh, et tant que nous y sommes, chouchou, ma fille, grand-mère, elle en a besoin. Tu sais qui tu parles, profitez là? Profitez à fond de vos vacances. Ah, Georges, Georges, prends plus de caleçons que prévu. Pourquoi plus de caleçons? Au cas où, ça peut servir, d'accord? Surtout embrasse Belinda et prends soin d'elle. Oh, mes gâteaux sont en train de carboniser. Je dois vous laisser. À plus tard. Ah, oh, c'est pas vrai. Aïe, oh. Waouh! Vive Noël en Californie! Adieu boule de neige, bonjour la plage et les palmiers! Malibu, me voilà! Ouh, doucement le freinage! Bébé à bord! Tout le monde descend! Terminus! Salut Terre du Soleil! Ben, tu peux t'occuper de Zeus, s'il te plaît? D'accord. Merci. Et je prends ma valise aussi. Moi, c'est la rose, avec des points. Merci, monsieur, c'est gentil. Georges, tu peux l'aider pour les bagages, s'il te plaît? Je te l'avais dit, pourtant. J'espère qu'on va pas me mettre dans le coffre. T'aurais dû anticiper et réserver la voiture. Mais non, ce sont tes hormones qui te travaillent. T'exagères, c'est la plus grosse période de pointe de l'année. Mon cœur, y a pas besoin de réservation, il suffit de laisser opérer le charme. Oh, qui pourrait résister? Bonjour. Bienvenue chez Rôle Économique, le loueur qui a une longueur d'avance. Waouh, quelle merveilleuse hôtesse. Merci. Je suis Georges Bannister, voici ma femme Belinda. Bonjour. Et nos deux petits anges. Les anges, dites bonjour. Lâche-moi. Ben va me coller du chewing-gum dans les cheveux. Arrêtez, arrêtez, tenez-vous tranquille, les enfants. Allez vous asseoir. On vient en Californie pour les faire adopter. Oh, quelle farce. Je les en t'appelle. Mais on a besoin d'une voiture. À quel nom avez-vous pris la réservation? Alors essayez de regarder à Bannister, avec deux N. Vous ne trouverez rien, mais vous pouvez chercher. J'étais sur le point de réserver et puis... On rend visite à sa sœur pour passer les fêtes en famille. J'ai oublié. Donc vous n'avez pas de réservation? 3 jours avant Noël, la période où les gens voyagent le plus. Alors là, je regrette, mais ça va être difficile. On ne peut pas louer de voiture sans réservation. Il est capital de réserver si on espère obtenir son véhicule au moment adéquat. Oui, je comprends, c'est très clair. Mais peut-être que si on a oublié de réserver, mon ami Abraham Lincoln peut arranger les choses. Vous n'auriez pas plutôt des amis qui s'appellent Jackson, Grant ou Franklin? Ça peut se faire, je vais regarder. Zeus, tu dois avoir trop chaud avec ton tricot en Californie, hein? Oui, on va lui enlever. Je sens que tout va s'arranger. C'est fantastique. Wow, joli ton petit manteau rouge, ça a l'air douillet. Je te l'échange contre un grattoir, ça te tente? Oh, sûrement pas. C'est mon cadeau de Noël de Géorgie. C'est mon cadeau de Noël de Géorgie. Ah, tu veux faire le malin, hein? Tu te moques de moi? Tu vas voir. Zeus, Zeus, reviens. Thank you.
essayé, mon toutou. Tu as mérité un petit souvenir dédicacé. Tiens, voilà une carte postale. Écris-moi, sois pas chien. Oh, quelle vulgarité. Je vais t'apprendre. Cool. Une voiture de sport rouge. Ouh, je crois que le bébé aussi est content. Il tape pour se manifester. Oh, je peux toucher, c'est toujours toi. Non, oui, non, les enfants, c'est bon, tout le monde en voiture. Voilà. Merci beaucoup. Mais où est passé Zeus? T'es trop pâteau pour m'attraper. Combien tu paries? Attention, tout. Cadeau de la maison. Zeus! Oh, Zeus, qu'est-ce que t'as encore fait, mon vieux? Oh, oh, oh. De vous acharner, Barbara. Vous n'aurez pas une maison mieux décorée que la mienne cette année. C'est même pas la peine d'essayer. McFinnegan, vous avez des idées particulièrement délirantes ce matin. Souvenez-vous que j'ai déjà remporté le concours l'an dernier avec mon sublime chaudron de sorcière pour Halloween, puis Madame de 4 mètres qui trônait dans le jardin à Thanksgiving. Et qui pourrait oublier la féerie du dernier Noël, hein? 2 douzaines de petits soldats de bois et 1 joueur de tambour que j'avais entièrement automatisé. Je sais, j'ai pas oublié. C'est pourquoi je vous annonce que je me suis promis cette année de rafler tous les honneurs. J'ai peur, j'en tremble d'avance. Cette fois-ci, c'est sûr, à Noël, ma maison sera tellement illuminée que les gens pourront même la voir depuis le fond du pôle Nord. Le fond du pôle Nord. Eh oui. Qui a des idées délirantes, hein? On se demande bien. C'est pas moi, grande cigogne. Salut, bienvenue. Bonjour, passez Barbara. De côté pour vous carrer. Salut, Barbara. Enfin, c'était surtout la maison de tonton Charlie. N'entrons pas dans cette discussion. Oh, ce que j'en dis. Parce qu'on peut pas tout avoir dans la vie, le charme et l'argent. Et nous, on a un charme fou. Oh, je suis si contente de vous voir. Salut, ma belle. Oh, vous avez tous des mines superbes, dites donc. C'est gentil. Je suis pas fâchée de vous voir. Georges, tu viens? Oh, je crois que ta pauvre épouse a des soucis pour sortir. Attends. Bonjour. Ça y est. Bonjour, chérie. Il y avait si longtemps. Venez, ça fait plaisir. Suivez-moi. Venez, les enfants. Oh, comme vous avez. J'allais oublier la valise. Allez, viens, Zeus, on y va. Ah non, suis-moi, allez. Allez, un peu de. C'est par là. Oh, j'ai passé du temps à faire toutes ces décorations. J'ai plein de bonnes choses pour toi, Zeus. Vous avez vu, les enfants? C'est ravissant. T'as réalisé ces décorations toute seule? Oui, vous allez voir à l'intérieur. J'ai fait un grand sapin. Ouah, super. Ouah, oh, il est trop beau, le sapin. Oh, c'est magnifique. Ah oui, il suffit déposer un petit plein aux as. Ce serait pas merci pour me déplaire. Merci de vos compliments. Maintenant, vous restez là, je vais chercher votre cadeau. Mais Noël, c'est pas avant 3 jours. Bravo, je vois que tu sais encore compter. Je te rappelle que je suis moi-même incollable en maths. Ah oui, ce serait dur d'oublier. Tu nous le rappelles à chaque fois qu'on se voit. Oh, je n'aime pas ce ton. Oh, Barbara, t'as pas à nous offrir quoi que ce soit, tu sais. Mais si, chérie, j'y tiens énormément et cela ne peut pas attendre. Oh. Bon, bah d'accord. Qu'est-ce que ça peut être?
L'année dernière, elle m'avait offert un rasoir alors que j'ai même pas un poil. Bon, d'accord, Ben. Écoute-moi, chérie, c'est l'intention qui compte. Et un jour, tu verras, cela finira par t'être très utile. On l'espère en tout voilà cas. Oh, la petite surprise. L'énorme paquet. Oh. Merci, Georges. Pose-le avec beaucoup de précaution. D'accord. Roulement de tambour. Oh, un bébé chien. Vous attendiez quoi, un gremlin? Je peux le prendre, s'il te plaît, laisse-moi la porter. Ah, super, on a de la compagnie. Moi d'abord. Là, on se dispute pas. Clara, à toi l'honneur, ma puce. Oh, elle est craquante. Ah oui, ça je le reconnais, elle est absolument adorable. Est-ce que vous savez comment l'appeler? On pourrait l'appeler Noël. Non, n'importe quoi, t'es débile de vouloir l'appeler Noël, elle confondrait son nom avec la fête. Benjamin Bannister, on ne traite pas sa sœur de débile. Elle n'a qu'à pas dire des débilités. Georges. Bah, cela dit, il a pas tort. Si tu dis pas de bêtises, personne t'ennuie. Oui, d'un autre côté, ta mère a raison. On traite pas sa sœur comme ça, d'accord? Pourquoi? Bah, parce qu'on est à Noël et qu'à Noël, on est beaucoup plus gentil avec les autres. C'est tout, voilà. Ah, je sais, si on l'appelait Ève. Bonne idée, Ève, c'est un très joli nom. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. En plus, ça sonne bien, non? Ève Bannister. Bonjour la jeunesse et salut le vieux crouton. Eh bien voilà, l'adoption est officielle. Il ne vous reste plus qu'à vous installer. Faites comme chez vous. Moi, je vais suspendre les guirlandes électriques. Ciao. Oh, regarde Zeus, c'est ta petite sœur. On dirait une mini Zeus. Salut toi, comment tu t'appelles? Zeus, avant j'étais chien policier. K9 comme on dit. Mais tu peux m'appeler boss ou grand frère. À toi de voir. Super, grand frère, ça me va bien. Ok. Ça m'a l'air d'être l'endroit idéal. Allez, on s'installe. Bonjour. Regarde, Steve. Ça nous en met plein la vue, hein? Oh, ma chérie, il me faut démêler cette tignasse. Combien de chiens nationalistes? Arrête de grogner. On est mal, t'es très mal. Écoute, j'ai cru que notre affaire décollerait parce qu'on aurait dû être franchisé depuis longtemps. Mais c'est pas le cas. Oui, je sais, mais comment est-ce que je pouvais deviner qu'un spa 5 étoiles pour chiens s'implanterait justement dans la rue où on était? On aurait dû suivre mon idée, ouvrir une petite boucherie ou vendre des crèmes glacées sur la plage. On aurait de l'oseille plein les poches aujourd'hui. Et voilà, c'est reparti. Et en plus, ça nous a obligés à emprunter à cette fripouille de Tony Rowe de l'argent pour financer ce camion de toilettage qui rapporte bon, rien. Ça suffit, Steve. Et ce gars est aussi visqueux qu'un serpent à sonnette. C'est pour ça que je lui sers jamais la main. Je veux pas me salir les doigts. Ce type, c'est un vrai. Un vrai gentil. Oh, monsieur Roux, comment allez-vous? Mais qui voilà? On dirait Dumb et Dumber. Écoutez, monsieur Roux, j'allais... Venez, venez faire un tour avec moi. Je vous veux tous les deux. Allez, on se bouge. Et que ça saute. Je sens que vous m'évitez depuis quelque temps. J'ai un sixième sens, vous savez. Et ce sixième sens me dit que vous êtes sur le point de m'avouer que vous n'avez pas l'argent que je vous ai prêté parce que l'investir dans cette affaire de camionnette de toilettage pour chiens, c'est véritablement une des plus mauvaises idées qui a dû surgir de vos petits crânes de piaf. C'est un voyant ou quoi? Chut. Écoutez, monsieur Roux, les affaires ont été extrêmement mauvaises et comment dire, résultat des courses, il se trouve qu'on a, ou plutôt qu'on n'a pas, votre argent. Vous n'avez pas mon argent? Je crains que non. Montrez-moi leur pouce. Plouf, plouf, ça sera toi qui partiras. Ces deux pouces vont tomber illico. Non, par pitié. Il paraît que ces deux-là ont fait dans la cambriole à une époque. Ils pourraient vous rapporter l'étoile. C'est pas une mauvaise idée. Prends-en de la graine, Richie. Mickey m'a rappelé que vous étiez deux montants l'air autrefois. Oui, on les nomme aussi cambrioleurs. Ils pénètrent dans les maisons et ils dérobent des objets de valeur. Bon, si vous me suivez, bougez la tête pour dire oui, d'accord? Excellent. Oui, monsieur. Dans ce cas, il y a peut-être moyen de s'arranger. Oui, tout ce que vous voudrez, monsieur. Tout ce que je veux? Bonne réponse. Vous allez vous rendre à cette adresse où vous verrez des tas de trucs. Mais là-dedans, il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse et qui a véritablement de la valeur. C'est une étoile. À ce qu'on raconte, cet astre est plus brillant que des centaines de diamants. Enfin, à ce qu'on dit.
Si vous réussissez à me rapporter cette étoile, alors vous réaliserez que je suis pas un si mauvais bougre. J'ai pas un cœur de pierre. Je pourrais vous accorder mon pardon, même si vous m'avez pas remboursé mon pognon. Et je te laisserai même ton pouce. Ah, toi aussi, tu pourras le garder. je vous remercie, monsieur Roux. Y a pas de quoi. Je vous donne rendez-vous ici, au réveillon à minuit, ok? C'est le 23 décembre au soir, ou c'est plutôt le 24? Attendez, je vais résumer de façon très simple. Le jour de Noël, à 1h du mat, vous viendrez là, si ça vous convient. Ça m'ennuierait de contrarier vos projets, bien sûr. Là, je récupérerai l'étoile, et je récupérerai mon chien. Votre chien? Ouais. Vous allez lui couper les ongles et lui peindre en rouge pour qu'elle soit belle pour Noël, hein, ma pupuce? Et elle adore aussi le petit gommage qui lui fait la peau si douce, vous savez? Oh, oui, on va le faire. Là, j'y compte bien. Oui, monsieur. Bon Noël, mes petits. Ne décevez pas. Oui, circulez. Et prenez soin du chien. Porte un bijou qui éveillera en lui une légère nostalgie et l'aidera à libérer l'animal qui est en lui. Oh, le premier cadeau que tu m'as fait, Georges. Oh, où elle se cache, la seconde? Ces jours-ci, je n'ai plus toute ma tête. Oh, ils sont mignons. Comme ça, j'ai toujours la photo de mes enfants près de mon cœur. Oh, ton second époux était si romantique. Oui, c'est vrai. J'avais beaucoup de chance. J'aimerais tant que Georges le soit davantage. Bon, étant donné que je suis ton grand frère, je dois t'expliquer comment ça se passe chez les Bannister. Je t'écoute. Georges et moi, on se connaît depuis toujours. On est inséparables comme les deux doigts de la main. Chaque matin, je lui apporte ses pantoufles et son journal. Tout ça pour dire que le chouchou de Georges, c'est moi, et que ce n'est pas la peine d'espérer prendre ma place. Comment ça va, vous deux? Oh, m'en parle pas. Ça va super. Enfin, j'avoue qu'il y a des hauts et des bas, tu sais, comme dans tous les couples mariés depuis un certain temps. C'est le creux de la vague? Oh non, non. Non, on n'est pas au creux de la vague. Enfin, tu comprends, les enfants, le travail, le quotidien à gérer, et le bébé qui débarque. Disons qu'avec tout ça, c'est... pas assez croustillant. Le cookie ou... Oh non, le cookie est délicieux. Oh, le mariage, donc. Tu aurais du ketchup. Pour le cookie? J'en mets sur tout ce que j'avale. Je crois que dans n'importe quel mariage, à un moment, il faut relancer le moteur. Et un anniversaire de mariage me semble être le moment idéal pour le faire, non? Prévoyez un pique-nique avec une vue sur Bel Air. Ou alors un souper romantique sur la plage, tu vois? Ce genre d'attention tellement délicate. En fait, Georges ne m'a encore rien dit. Il ne t'a pas encore parlé de quoi que ce soit. Mais le 26 décembre, ce sera votre 20e anniversaire de mariage, c'est quand même... Oui, je le sais. Très important. Oui, je le sais. Ça fait 20 ans. Si tu veux te faire accepter par la famille, il y a des règles que tu dois observer sans faute. Je dois prendre des notes? Bonne idée. Primo, tu ne partages jamais ton os avec un chien qui a l'écume aux lèvres. Secondo, tu ne bois jamais dans la cuvette des WC, surtout la nuit. Georges n'a pas pu oublier notre anniversaire de mariage. Bien sûr que non. Et tertio, dernière recommandation, la plus importante, tu ne dois jamais, jamais, jamais mâchouiller quoi que ce soit si ce n'est pas fait pour ça. Comme des chaussures hors de prix, par exemple. Oh, et qu'est-ce que j'en fais maintenant? Tu te fais discrète et moi je vais essayer de réparer les dégâts. Voyons si je peux arranger ça pour que la petite n'ait pas d'ennui. Une année, je me souviens, il a oublié votre anniversaire et il a commandé une calzone en mettant des bougies sur la pizza. Oui, mais c'était seulement parce qu'il savait que je raffolais des calzones. Oui, ça je le sais. C'était une attention charmante et originale en plus. Oui. Oh, Zeus, qu'est-ce que tu mâchouilles? J'essaie de remettre le talon en place et j'ai oh presque fini. Oh mon Zeus! Mes escarpins en crocodile! Oh, le vilain chien! Oh. T'avais qu'à me demander à manger si t'avais un petit creux. Eh, j'y suis pour rien. De sublimes escarpins en crocodile. Oh, et c'était un modèle que j'adorais, sûrement mon préféré. Eh, attends, Barbara, je suis vraiment désolé. Je comprends pas. Il y a très longtemps que Zeus ne fait plus de bêtises de ce genre-là. Mais je vais te rembourser, hein. Dis-moi, combien ça coûte? $2,000. Ah, quand même. Bon, c'est fait, alors oublions l'incident. Mais je t'en prie, assure-toi qu'il épargnera ma lingerie.
Ah oui, elle doit coûter la peau des fesses. Alors écoute-moi, mon pote. Mais Georges, Tati Barbara nous invite chez elle. C'est très gentil de sa part de nous recevoir pour les vacances. Donc il faut respecter ses affaires et arrêter de mâchouiller ses chaussures ou ses culottes. Ah non, mais non, qu'est-ce que je raconte? D'accord. Ok. Règle numéro 1, ne jamais porter à la bouche un truc qui n'est pas fait pour être mâchouillé. Wow, je sens que j'ai du pain sur la planche avec cette coquine. Allez, on rentre. Ça y est, on y est. Waouh, c'est la baraque d'une rockstar. Non, celle d'une veuve dont le mari était un philanthrope plein aux as qui ne regardait pas la dépense. Un collectionneur d'antiquités. Il a cassé sa pipe et sa femme a hérité de la propriété remplie de pièces de collection très précieuses. Comme l'étoile. Exactamente. Et comment tu le sais? Grâce au net. Quand est-ce qu'on la dévalise? Ouais, doucement, ouais. Chaque chose en son temps. Il faut surveiller cette fille, histoire de se renseigner, savoir quelles sont ses petites habitudes quotidiennes. Et on découvrira peut-être où elle planque cette étoile. Facile à dire, t'as vu cette forteresse? Et c'est pour ça que j'ai tout prévu, figure-toi. Je me suis procuré ça dans une boutique d'espionnage du quartier de Crenshaw. Wow, avec ça, je suis déjà dans la peau de James Bond. McCann, Steve McCann, détonne-moi ça. Ça, c'est nos oreilles. C'est une prothèse? C'est pour ma taille? Non, c'est ça que tu dois te coller dans l'oreille. Ah. Et l'autre partie, tu dois la coller sur la façade de la maison. Quand est-ce qu'on fait ça? Dans une semaine. C'est vrai? Mais non, mais bien sûr que non. Sinon, je te garantis que tu ne pourras plus jamais faire de stop. Bon, allez, faut y aller maintenant. Tout de suite? Tu te débrouilles pour coller le micro sur une fenêtre en étant aussi discret que possible. Et moi, je te couvre. Je sais tout des commandos. Vise un peu la technique. On joue à se courir après? Non, je ne suis pas d'humeur. Monsieur fait son grognon. Remarque, t'as raison, à ton âge, ce serait pas raisonnable. T'as de la chance que je ne sois pas un cafeteur. Pourquoi tu dis ça? Je me suis fait disputer à ta place tout à l'heure. C'était qu'une blague. Combien de temps tu vas me reparler de cette histoire? Jusqu'à ce que je l'ai digéré. Je me suis déjà excusée. Tu veux peut-être un gros os à moelle en prime? Oui, ce serait un bon début. Steve, je t'en supplie, essaie d'être discret. Mais je suis discret. Bon, dépêche-toi un peu, c'est pas le moment de s'endormir. Qu'est-ce que tu me fais faire? Attention, Barbara n'est pas loin. Tu dois agir très rapidement et filer en vitesse. Colle le micro sur la fenêtre et déguerpille de là, ok? Mais le plus haut! Plus haut! Tu me prends pour un kangourou? Je peux pas faire des bons, je vais encore me péter le dos! Eh ben, t'avais qu'à pas lutter dans la boue pour jouer les yeux bandés avec des serveuses comme un gamin. Tiens, Zeus, c'est pour toi. On fait la paix? Mais qu'est-ce que c'est? Aucune idée, c'était dans la chambre de Georges. Qu'est-ce que je t'ai dit? On ne touche pas ce qui nous appartient pas. Je compte jusqu'à 3. Et tu colles le mouchard sur le carreau, allez, 1, 2, 3. Tu as entendu? Quoi? Saute, Steve, saute! Ça y est, je l'ai collé. Ok, ok, ça y est, t'as réussi. Je vois le mouchard bien en place sur la vitre. Allez, relève-toi maintenant. C'est pas le moment de s'endormir. Allez, bouge tes fesses et tire-toi de là. J'ai déjà senti ça quelque part. Ted! Ted! Le chien! Ted! Je l'ai vu, je te promets! C'est lui, Ted! Je l'ai reconnu! Qui? Zeus! Je me suis retrouvé face à face avec Zeus, Ted! Zeus? Zeus Bannister? Non, Zeus du choc des titans! Évidemment, Bannister, combien tu en connais d'autres? Oui, n'importe quoi! Je l'ai vu de mes propres yeux, je t'assure! Et j'ai même respiré son haleine fétide! Calme-toi, bon sang! On n'a pas le temps de discuter de tes hallucinations! Non, attention! T'avais promis que tu me ferais plus bosser avec des chiens! Et peut-être qu'il va t'arranger sur toi! Il parle plus que cette affaire! Ted! Le micro est en place? Est-ce que l'ours polaire aime l'eau froide? J'y connais rien en ours polaire, d'accord? Le micro est sur la fenêtre, oui ou non? Oui, je l'ai bien collé!
Eh ben voilà, tout est pour le mieux alors. Ok? Ça roule. On n'a plus qu'à se détendre. C'était qu'un Labrador Golden. Ils se ressemblent tous. C'est naturel. Zeus et toute la famille Bannister sont sûrement à des milliers de kilomètres de là. T'as peut-être pas tort, Ted. Tu trouves toujours les mots pour m'apaiser. Ah, mais tu vois, c'est génial, ça fonctionne. Ton habitude de donner à l'heure à chaque fois que t'as égaré ta brosse à dents. Non, mais quelqu'un a dû la déplacer. Oui, la fée de la brosse à dents est venue spécialement du Connecticut pour voler celle de George Bannister. Oh, alors, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Non, mais attends, je suis en plein rêve, là. Sarah, bonsoir. Oui, je sais, j'ai pas pu téléphoner avant. Non, je lui ai encore rien dit, mais... D'accord. Oh, j'en suis tout émoustillé. Oui, désolé, là, il va falloir que je raccroche, oui. Oui, je vais tout lui avouer. En attendant, évitons de nous faire prendre. On ne communique plus que par SMS. Allez, au revoir. Georges, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Avec qui tu discutes? Non, rien, ils veulent encore me faire changer de forfait. Le décalage horaire m'a complètement démoli. Georges, mais c'est quoi ce peignoir rouge en satin? Ça te plaît? Barbara me l'a prêté. Étant donné que nos enfants se trouvent ce soir de l'autre côté de la maison, presque à des kilomètres d'ici... On va enfin pouvoir dormir un peu. Dormir, oui, si tu t'ennuies. Pourquoi pas un massage? Oh, trésor, t'es adorable. Mais là, j'ai plutôt envie de lire. Non, je parlais pour moi. Oh, s'il te plaît, chérie, fais-moi un massage. Barbara m'a noué les muscles de la tête. Attends, t'es sérieux, là? Oui, sérieux. J'en ai aucune envie, Georges. Non, arrête de te plaindre, ça perturbe mon massage. Ah, ouais. Bon. Ensuite, je boirai des litres d'eau. Ok. Excuse-moi, j'en peux plus, là. Ah non, doucement, tu sens comme c'est noué, là. Désolée. Ah, tu te rappelles comme j'étais romantique quand on s'est rencontrés? Je t'ai demandé ta main au Rockefeller Center sous le sapin de Noël. Impossible de l'oublier, surtout en ce moment. Eh ouais. Bannister est nul avec les femmes. Ah oui, parce que toi t'es doué. J'allais faire pleurer. Oh, t'es con. C'est moi que tu fais pleurer maintenant. Les larmes aux yeux. Je m'applique. Oh la vache. George. Une seconde, ma puce, j'attrape mon verre, là. Attends. Oh, écoute, Georges, excuse-moi, mais ce soir, je suis pas très en forme. Arrête ces trucs-là, fais un peu plus comme ça. Ah. Oh, non, doucement, là, tu t'y prends comme une brute. Ah. Vas-y, mollo, d'accord. Non, là, c'est trop fort. Tu me secoues comme un poignet. Non, attention, Belinda. Georges. Oh. Ça va laisser des traces. Oh, regarde ce que t'as fait, il y en a plein les draps. Je voulais me détendre avec un massage et toi tu me secoues. On va aller chercher des serviettes de toilette. Non, c'est vraiment pas relaxant. J'ai dit sous le lavabo. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais non, pas dans la baignoire, mais quelle empotée. Ne t'inquiète pas, Georges, je m'en occupe. Et voilà le travail. Georges, Belinda, venez, j'ai épongé les dégâts, tout va bien. Ah ouais, il y a presque plus de tâches. Je suis épuisée, j'aimerais bien pouvoir m'écrouler sur mon oreiller. Oh, qu'est-ce que vous... Pourquoi vous avez crié? Non, rien de grave, chérie, on a eu un petit accident. Votre père a eu la bonne idée de renverser son verre de jus de raisin partout sur le lit. Enfin, ça serait pas arrivé si t'avais été plus douce. Ce sont vos affaires de grand, pas de détails. Ouais. Oh, elle est super intelligente, la petite puce, regardez. Elle a épongé le jus de raisin avec ses patounettes. J'aurais plutôt imaginé Zeus faire un truc comme ça. Eh, c'est ce que j'ai fait, c'est elle qui a copié sur moi. Bravo, Eve, je suis fière de toi. Dans ces moments-là, j'aimerais pouvoir parler. C'est à moi qu'il l'avait lancé. Cette petite, elle a le sport dans le pelage. Je me demande qui lui a appris ça. Ah, c'est une Bannister, chérie. Et dans la famille, on est tous athlétiques. Ça ne saute pas aux yeux, chérie. Et je pourrais en dire autant de toi. Mais je le ferais pas. Ce serait indélicat. C'est la chance du débutant. Ça durera pas. On refait la course quand tu veux. Oh. Tu n'es pas prêt de surpasser les performances athlétiques d'un ancien chien policier surentraîné, et en plus d'un Bannister pur souche.
Allez, je vais m'extirper. D'accord. Tu gardes les affaires ? Bien sûr. Doucement, sois prudent. Oh, attention, ça va, chérie ? Oui, bah, ça va, oui. Je suis un athlète, quand même. Georges. Eve, viens par là, toi. Viens par là. Si on allait se faire une petite partie sur la plage, tous les deux. Et moi, j'ai pas le droit de jouer ? Lance-lui le frisbee, papa ! Au cas où ça intéresserait quelqu'un, vous savez où me trouver. Très joli. Ce sapin commence à avoir fière allure. Mais celle-ci débrouille bien, oui, mon cœur. Il mérite d'être immortalisé. Qui appelle Noël Magazine pour qu'on fasse publier sa photo ? Cette tarte passe en tout droit sortie du pôle Nord. Ah, c'est dommage, ça manque légèrement de guirlande électrique. Non, c'est facile de critiquer. T'as même pas accroché une boule au sapin. Ouais, non, c'est normal. Je suis le réalisateur, je donne ma vision. Ah. Et vous, vous l'exécutez. Mm-hmm. Francis Ford Bannister nous dit rien. Et si au-dessus du sapin, on mettait un train électrique ? Oh, ce serait joli, sauf qu'il n'y a pas la place de le mettre là-dessous. On peut en faire en enlevant la crèche, ça changera un peu de décor. Oh, sûrement pas. Il est hors de question d'enlever la scène de la nativité, c'est ce qui rappelle le vrai sens de Noël. Ah oui, c'est vrai, ta mère a pas tort. C'est rarement le cas, mais là, elle a pas tort. Tu voudrais pas être un vulgaire pion manipulé par la société de consommation de Noël ? Puisque c'est ça, je vais me débarrasser de ton cadeau. Wow, c'est pas la peine de le prendre comme ça. Georges. Attends, je lui explique que t'as raison. On veut que les enfants comprennent pourquoi on célèbre vraiment Noël. C'est la naissance de Jésus. Exactement. Pitié, dites-moi qu'on va pas encore devoir aller à la messe de minuit cette année. Ben, on va à la messe de minuit chaque année et on ne fera pas d'exception cette fois-ci. Oui, je confirme. Mais si t'as envie de devenir juif, tu peux te convertir aussi. Georges. Qu'est-ce qu'on met au sommet du sapin ? Oh, une pièce très précieuse à laquelle je tiens beaucoup. La fameuse étoile de Noël. Yeah. Ah, vous pouvez m'aider à l'accrocher, s'il te plaît ? Ah oui. Comme tu es légèrement plus grand que tes enfants et les chiens. C'est trop beau ! T'as vu comme elle est brillante ? Oui, chérie, comme ton père. Écartez-vous, les enfants, on va mettre l'escabeau. Allez, voilà. Désolée, j'étais retenue dehors. Ce talon en peau de croco m'a un peu détraqué les intestins. Oui, enfin bref. Dis donc, je le connais, ce petit pull à capuche. Il a l'air d'être assez stable. Vas-y, attention, grimpe là-dessus. Surtout là-haut, sois prudent. Mais non, mais t'inquiète pas. Ouah, attention. Silence, s'il vous plaît, gardez vos commentaires. Oh, tu l'as fait exprès, c'est pas... je parie. T'as pas le sapin, hein, papa ? Non. Ça voilà, ça y est. Oh, magnifique, splendide. Bah, faut pas se gêner, surtout. C'est mon pull à capuche. Oui, Georges, elle porte le pull que tu m'as offert pour Noël. Tu me l'avais donné en disant, voilà pour mon meilleur ami au monde. Doucement. En quoi ça te dérange ? Tu le portes même pas. Qu'est-ce que tu fais sur le canapé ? Tu sais que t'as pas le droit. Descends là tout de suite. Oh, regardez, la petite Eve, elle est trop craquante dans son pull de Noël. Oh, quelle petite boule de poil adorable. Comme elle se tortille. On dirait qu'est-ce qu'elle est trop c'est vrai, elle est la plus jolie et la plus... T'es surtout un vrai cauchemar. Quand on aime, on partage. Surtout au moment de Noël. Tu devrais le savoir, non ? Tu viens de déterrer la hache de guerre. Maman, comment se passe la fête ? Oh, ici, il y a l'ambiance du tonnerre avec un grand T. Et toi, alors ? Oh, ici, ça cogne avec un grand C. Bébé se manifeste, c'est trop mignon.
Et devine qui est avec moi. Ta cousine Jamie, son mari Ralph et leurs enfants. Ils ont donc un minuscule gâteau au rhum que ta cousine a fait. Il est allégé en sucre et il n'y a même pas un gramme de beurre. Oh, souhaite-leur à tous un joyeux Noël pour moi, s'il te plaît. Moi, ben, ça me donnera un sujet de conversation pendant le repas. Et toi, alors, qu'est-ce que tu racontes? En réalité, je te téléphone pour que tu m'éclaires. À quel sujet? Oh, j'ai deviné. Ton ventre te démange affreusement. Oh, tu sais, c'est normal que ça gratte. Tu n'as qu'à mettre un peu d'huile pour les bébés, de l'huile d'amande douce, par exemple. Et je te promets que si tu te badigeonnes bien avec ça, ça se calmera. Maman, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Enfin, si, c'est vrai, ça gratte. Mais là, si je tiens à te demander conseil... C'est à propos de Georges. Il se comporte de façon très étrange. Je parie qu'en ce moment, il se sent trop serré dans son slip. Chez de nombreux individus, on constate que les dommages montent rapidement au cerveau. C'est un phénomène courant. Je t'en prie, maman, on peut essayer de discuter sérieusement de son cas une seconde. Ah, d'accord. Je trouve qu'il agit de manière très étrange, carrément encore plus étrange que d'habitude. Tu pourrais être un peu plus précise ? Oui, ce n'est peut-être rien et je ne veux pas avoir l'air paranoïaque, mais j'ai remarqué qu'il emportait souvent son téléphone portable dans la salle de bain. Ah oui? Je te rappelle qu'il est incapable d'envoyer un texto, il déteste ce genre de truc. Et figure-toi qu'hier soir, il est resté pendu au téléphone pendant 20 minutes. Il est ressorti comme si de rien n'était et il portait une robe de chambre de Barbara rouge en satin. Et puis ensuite, il m'a sorti un blabla sur un démarcheur commercial et... Ma petite chérie, je vais te dire un secret. Tu es mariée depuis affreusement longtemps maintenant et les choses risquent de devenir de plus en plus étranges entre vous. Alors ne te mets pas la rate au courbouillon, dis la cervelle en ébullition, évacue ces mauvaises pensées qui te viennent. D'accord, et je fais quoi alors? Il n'y a pas de recette universelle, chacun fait selon ses goûts. Mais ce qui compte, c'est que vous essayez tous les deux de retrouver un peu de cet esprit romantique qui avait su vous séduire dans le passé. Si tu veux relancer le feu, prends le temps de souffler sur les braises pour raviver la flamme. Excuse-moi, maman, mais il faut que je raccroche. Oh oui, t'as raison, je comprends. D'ailleurs, moi aussi, mais je t'embrasse très fort. Oui, moi aussi, maman, je t'embrasse. Joyeux Noël, les enfants. Merci. Regardez-moi un peu ce que le Grinch a dégoté. Ned McFinnegan. Qu'on se livre à une compétition gentillette entre voisins n'a rien de malsain. Mais l'espionnage est un procédé que je trouve répugnant et révoltant. Quoi? Quel espionnage? J'ai découvert ceci collé sur l'un de mes carreaux à l'extérieur de la maison. C'est une antenne de télévision. Vous n'essayeriez pas de m'espionner grâce à cela, afin de percer le secret de mon ambitieux projet d'éclairage électrique pour Noël? Oh, là, c'est du délire. Je croyais que vous aviez arrêté le café. J'ai arrêté. Mais croyez-moi, d'ici la fin de l'année, les habitants du pôle Nord me sonneront pour que je leur explique comment rendre ce monde plus lumineux. C'est clair? Ouais, très clair. Ce chien pue les ennuis à plein nez. Ah, le récepteur est en rade. Alors quoi? On passe au plan B. On croyait que c'était ça le plan B. Mais on s'en fiche, on dit que c'est le plan C. Moi, ton plan, je le sens pas. C'est comme le Klebs de Roe. Moi! C'est toi qui lui peindras les griffes. Boule puante. Allez, tête, on circule. Comme le dit Belinda, dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Mais je vais tâcher de rappeler à Georges pourquoi il m'aime tant. Attention, dans une seconde. Pantoufle en place, journal en place, on se réveille, Georges. C'est l'heure de sortir du lit. Bonjour, mon chéri. Chéri, faut plus manger d'ail. Le spectacle va commencer. Où sont mes pantoufles? Je les avais déposées au pied du lit hier soir. Ce n'est pas à moi de surveiller où tu poses tes affaires, Georges. Pas de soucis, je vais les chercher. Pardon. Où elles sont passées? Alors c'est à qui de le faire? Peut-être qu'elles ont glissé sous le lit. Ah, la
voleuse. Regardez-moi cet amour. Oh, qui c'est qui aime son papa très très fort, hein? Tu as déplacé ses chaussons hier soir pour me voler mon idée. Oh là là, tout de suite, les grands mots. J'ai anticipé, c'est tout. Oh, merci, ma puce. Mais t'es une petite futée. Qui c'est qui a trouvé les chaussons à pépère, hein? Je sens que je vais être malade. C'est normal, t'attends un bébé. Non, je crois que ce sont les cookies de ta sœur. Ouais, ce serait pas surprenant. Je constate qu'elle, au moins, elle a pas eu besoin de se brosser les dents pour que tu l'embrasses. Ah, mais si tu veux que je te lèche la figure, t'as qu'à me demander. Tu comprends rien, Georges. Aucune fille ne devrait avoir à demander. Ben, toi, t'es une fille et t'as rien demandé. Ben oui, t'es ma fifi, toi. Cette fois, elle a dépassé les bornes. Ah non, ça m'étonnerait qu'il ait besoin d'une écharpe, on est en Californie. Mais tous les bonhommes de neige en ont une, papa. Avoue que tu le sais aussi bien que moi. Ah, c'est un bonhomme de sable, c'est pas un bonhomme de neige. Je serais surpris qu'il garde une écharpe autour du cou avec un soleil pareil. C'est vrai. Hé, hey, j'ai une idée. On n'a qu'à lui mettre un maillot de bain. Oh non. Ah non, vous chamaillez pas, s'il vous plaît. Belinda, ton avis sur la question? Un bonhomme de neige a une écharpe. Ah ah, qu'est-ce que je disais? Une écharpe au bonhomme, alors. Tu boudes toujours à cause des chaussons? Allez, fais pas ton grincheux. Dérique-toi, mon vieux. Je suis occupé. Occupé à quoi? À te juger en silence. Oh, t'es pas drôle. Il est passé, mon seau? Je sais pas. Belinda, t'as pas vu mon seau par hasard? Aïe! Oh! Aïe, papa! Eh ben voilà ce qui arrive quand on court après ses affaires. T'exagères. On va se détendre un peu. Qu'est-ce que tu fais? Excuse-moi, tu peux te pousser, s'il te plaît? Tu me caches le soleil. Désolé. T'aurais pas vu mon seau? Bah, tu fais la tête ou quoi? Je ne vois pas de quoi tu parles, Roméo. Oh, bah si, je vois bien que tu me jettes un regard noir, je te connais. Oh, sûrement le fruit de ton imagination. Ah, ouais, mon œil. Dis donc, t'aurais pas vu mon seau par hasard? Oh, Georges, c'est pas vrai. Je vais te le chercher, ton seau. Non, reste tranquille. Je m'en occupe, Georges. Zeus est trop attaché à son transat. Non, ne me dites pas qu'elle a recommencé. Oh, elle m'a rapporté mon seau, merci ma puce. Mais quel amour cette petite chienne. Oh, je l'adore. Eh ben, vous avez qu'à vous marier tous les deux. Allez, forte, attends, tu vas voir. Eve, va me chercher la pelle. Me revoilà. Tu n'espérais quand même pas me retenir toute la journée avec ce truc minable? Assez rigolé. Non, Zeus, laisse-moi aller chercher la pelle. Que tu roules Georges dans la farine une fois passe encore. Mais honte à toi si tu récidives. Oh, c'est facile de tromper son monde quand la famille a le dos tourné. Mais à la vue de tous, c'est plus compliqué, hein? Shakespeare? Non, Zeus est super chien. C'est parti pour la course. Cette pelle est à moi. Un jeu de loup dans l'œil. Oh non. Non, Zeus, attention. Je vois plus rien. Georges, c'est toi? Oh non, il a tout détruit en une seconde. Ça avait pris longtemps à faire en plus. Oh non, regarde, t'as tout cassé. Comment t'as osé nous faire ça? Vilain, t'es un vilain chien. Pardon, je suis désolé, mais c'est un accident. Je voulais juste... Georges, dis-leur que je l'ai pas fait exprès. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce chien? Les temps sont durs, hein, grand frère? Mais... Oh, Barbara, c'est Georges. Il est très bizarre depuis qu'on est là. Tu pourrais préciser? Oui, il va téléphoner en cachette et il envoie des messages. Jamais il n'avait envoyé texto à personne. Il ne savait même pas envoyer un message. Et hier soir, il a reçu un coup de téléphone d'une personne qui s'appelle Sarah. Sarah? Sarah! Et tu sais qui c'est? Non, j'en sais rien. Oh. Qui est cette fille? Oh, écoute,
Oh, chérie. Oh, je me sens si mal. D'un autre côté, on peut le comprendre, regarde-moi. J'ai l'air d'un ompa, l'ompa boursouflé. Tu n'es pas boursouflé. Je t'assure que tu es le plus joli des ompa. Oh, tu les connais pas, les ompa, l'ompa. Si, sont tous je les bouffis. Connais. Ils sont ravissants et tu es ravissante aussi. Et appétissante comme un fruit mûr prêt à exploser au soleil. Et en plus, tu sais quoi? Quoi? Je suis certaine qu'il a oublié notre anniversaire. Non, non, attends, je reconnais que c'est un individu extrêmement balourd. Mais je sais aussi que c'est une personne qui adore sa femme. Il adore sa femme. Et cet état d'hyper-émotivité que tu traverses ces temps-ci est tout à fait caractéristique et parfaitement normal pour une femme sous le coup de ses hormones. C'est physiologique. D'accord. Tu sais, ma meilleure amie Jenny, sa grossesse l'avait rendue tellement paranoïaque qu'elle était convaincue que son mari bossait pour la CIA. Oh non, c'est totalement dingue. Oui, c'est dingue. D'accord. Alors, il faut Mais que tu crois pas que Georges pourrait quand même... Bravo, Zeus. Tu es un champion, mon pote. Tu as réussi à remonter toute la famille contre toi. Continue comme ça. Ted, je suis au niveau de l'arbre. Ne traîne pas dehors, rentre. Elle est à son balcon, juste en face. Ah, je la digère pas, cette pizza. C'est une histoire de dingue. D'habitude, quand on vient pour cambrioler, la maison est vide. Oui, mais là, je te rappelle qu'on n'a jamais joué aussi gros. Ce coup-là, c'est le coup de notre vie. On a intérêt à pas se planter. Alors, grâce à notre surveillance, on n'y va pas à l'aveuglette. Primo, on sait que l'étoile est bel et bien quelque part dans la maison. Secondo, grâce à mes jumelles... Je peux te garantir que Barbara est au premier et vérifie ses précieuses lumières de Noël. Tertio, si par le plus grand des malheurs, nous n'arrivons pas à voler l'étoile comme nous l'avons promis, on peut dire adieu à nos deux pouces. Quand tu additionnes ces trois choses, qu'est-ce que ça donne? Mal à la tête. Non, triple buse! Tu as la preuve irréfutable qu'on est obligé de s'infiltrer dans cette baraque sans attendre qu'elle soit vide, hein? Tu comprends, Steve, on n'a pas le choix. Ted, j'y vois rien, il fait tout noir. Ouvre bien tes grandes oreilles. Ce job est de la plus haute importance et tu n'es pas en vacances. Garde à l'esprit que ton unique objectif, c'est de sortir l'étoile d'ici. Ne te laisse surtout pas distraire par quoi que ce soit. Ce soir, c'est pour le boulot, d'accord? Ted, en parlant de boulotter, j'ai faim. Je t'ordonne d'oublier ton estomac et tout de suite. On se croirait dans un château, on pourrait voler autre chose que l'étoile. Chaque chose en son temps. Ils ont dit que l'étoile était accrochée en haut du sapin de Noël. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à le trouver. Non, quelqu'un vient d'allumer à l'étage. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Attends, me dis pas que tu viens de... C'est pas moi, c'est Bannister. Oui, 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 je te crois. Oh. Ah, c'est vrai, la terre tremble souvent. On est en Californie. Oh, c'était une secousse sismique. Reste en position. Oh. Vite, fonce dans la pièce suivante. Go, 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 go! Il y a au moins 100 pièces dans ce palace. Tu procèdes selon ma méthode. Tu commences à étudier un côté et quand tout est passé en revue, tu continues. On se croirait dans la caverne d'Ali Baba. Mais pas de sapin dans le coin. Il est juste derrière toi, gros bêta. Je vois l'étoile. Je vais la décrocher. Je peux pas l'atteindre. Oh. J'ai une idée. Non, 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 tu vas tout faire tomber. Fiche le camp en vitesse. Retenue stratégique, grouille. Zeus, à l'attaque.
sauve-toi! Est-ce que quelqu'un aurait vu ma brosse à dents? Bonjour. Oh non, Georges. Oh, il y a une boule cassée. Je sais pas ce qui arrive à Zeus. Vite, il faut qu'on se dépêche de nettoyer avant que Barbara voie ça. Zeus, viens ici. Hé, j'y suis pour rien. On a été attaqué par ce cambrioleur amateur de Steve. Préviens la police. La garde nationale de Malibu. Appelle ma mère, ta mère, appelle quelqu'un. Il y a une boule de Noël en miettes. Zeus, ceci est un comportement totalement inacceptable. Inutile d'essayer de m'amadouer. Mmh. Tu resteras dehors jusqu'à ce qu'on retourne à la maison. T'es privé de sucreries. Mais papa... Ah bah non, c'est comme ça les enfants, je regrette. Tu veux bien m'écouter une minute? Et en plus, ce soir à Noël, pas question d'espérer faire la fête, t'as compris? Mais Noël, ce n'est qu'une fois par an. Je n'ai rien fait de mal, Georges. Je suis innocent. Oh, c'est injuste. Plus facile à dire qu'à prouver. Chérie, assis. Tu te montres peut-être trop dure avec lui. Oh non, Belinda. Il est hors de question qu'on l'autorise à faire n'importe quoi chez ma sœur. Regarde, Eve. Viens là, ma puce, viens. Elle est haute comme trois pommes à genoux et elle a plus de jugeote que lui. C'est pas moi qui dirais le contraire. Regardez ce que j'ai trouvé sous le lit de Zeus ce matin. Quoi? Tu m'as piégée? C'est pas la brosse à dents que papa cherchait partout? La nouvelle? Oh non, c'est pas vrai, c'était ma brosse à dents préférée. Dès que j'ai vu la pub, je l'ai achetée. Oui, je sais que tu tenais et que c'était intérieur, ta préférée. Extérieur, elle se faufilait partout. Avec cette brosse à dents-là, je savais que Noël serait festif. Mais j'y suis pour rien. Bravo, Zeus. T'as fait à peu près tout ce qu'il y avait d'interdit à faire dans cette maison. Alors ça, c'est trop fort. C'est toi qui m'as dit de la cacher. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder la gamelle. J'en peux plus. Zeus, laisse-la tranquille. Oui, c'est qu'un bébé. Tiens, occupe-toi d'elle, moi j'emmène Zeus dehors. Allez, viens-toi, suis-moi. Oh. Les enfants, brossez-vous les dents. Mais pas avec cette brosse-là, hein. Ah, ça me fait de la peine d'en arriver là, mais faut que t'apprennes à te comporter correctement. Allez, allez. Tu m'as déçu, Zeus. On est invité ici et toi, tu mets le souk partout comme un chat. C'est pas digne d'un chien, ça. Ne me laisse pas derrière ces barreaux, je t'en prie. J'ai rien fait de mal. Non, non, t'es extrêmement décevant. Georges, ramène-moi à la maison, je serai sage. C'est promis. C'est un coup de tonnerre ou quoi? Quelle affreuse chèvre, mère! Mets des lunettes, je suis un chien. Alors, qu'est-ce que tu fais dans l'enclos des chèvres? Oh, les nouvelles vont vite. On a dû vous raconter je ne sais quoi sur mon compte. Oh, c'est gênant. Tu t'habitueras. Bientôt, ils ne viendront même plus te rendre visite. Qu'est-ce que tu racontes? Georges m'adore. Prête pas attention à ce rabat-joie, ça le rend de mauvais poil quand il a l'estomac détraqué. Je t'avais dit de pas abuser du caviar et du champagne. Tu sais bien que ça te réussit pas. Tu crois vraiment qu'il t'aime? Ça doit être pour ça qu'il te laisse moisir ici quand tout le monde s'amuse là-bas. Joyeux Noël, mon pote. Georges, viens me chercher, je t'en supplie. J'ai rien fait de mal. Je suis innocent. Ça sent pas le pain d'épices? Ouvre-toi. Le nouveau va prendre la poudre d'escampette. Ils ne peuvent pas fêter Noël sans moi. Je dois en avoir le cœur net. Oh oui, ils fêtent vraiment Noël sans moi. Oh, j'arrive pas à le croire.
Ils m'ont remplacé. Je suis désolé, George. Je n'ai plus qu'à retourner dans ma cage avant de gâcher Noël pour de bon. C'est le pire Noël de toute ma vie. Georges, installe-toi là, à côté des enfants. Avec le bébé chien. Voilà, tenez-vous prêts et ouvrez grand vos yeux. Allez, c'est parti, vous allez voir ce que vous allez voir. Sûrement la maison la plus joliment éclairée de tout l'univers. Bien plus grandiose que la demeure décorée par Ned McFinnegan. Ok, prêt? On est prêts. Roulement de temps, on est prêts. Et j'y vais. Oh non. On voit rien, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien du tout. Tu les as toutes branchées, les guirlandes? Oui, évidemment, sur un autre générateur. Oh, mais elle a l'air complexe, ton installation. Pourvu que ça marche, cette fois-ci devrait être la bonne. J'enclenche. Allons à la messe de minuit. Oh oui, c'est pas suffisant, 40 ampères, j'aurais dû m'en douter. Oui, allons à l'église. Oui, allons à l'église. Oui, c'est l'endroit idéal pour prier. Je vais remettre Eve à la maison. Puis ça fonctionnera quand on reviendra. Je vais au magasin de bricolage. Non, 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 on va à l'église tous ensemble. Mais il n'y a pas de mais, la messe de minuit, c'est sacré. D'accord, mais on passera au centre commercial sur le chemin du retour alors. Oh ouais, c'est bon, parce que de toute façon, je dois me racheter une brosse à dents. Allez, en voiture. Bingo. Hé, ils s'en vont, on doit s'asseoir sur l'occasion. Et pour le clébard? C'est ce qu'il nous faut. Une calculatrice? Non, cet ustensile est un dazer. Oh, comme ceux de la police? Mais non, pas comme la police. Ça, c'est un dazer. Un appareil qui émet des ultrasons qui repoussent les chiens. Et c'est sur le chien de Tony Rowe qu'on se... Ils seront bientôt de retour. Dépêche, on passe à l'action. Tu perds rien pour attendre, sale cabot. Je ne sers plus à rien maintenant. Il me reste plus qu'à m'en aller loin d'ici. Comme ça, je ne serai plus dans les pattes de qui que ce soit. Hé, mon biquet, si tu vois mon frère Anthony, dis-lui qu'ici, tout se passe au poil. Hé, Eve, descends une minute, il faut qu'on parle. Écoute, il n'y a pas de place pour nous deux dans cette famille. C'est toi le chien de la maison, maintenant. Mais je suis qu'un petit chien. N'oublie pas. George aime t'envoyer la balle de tennis pour que tu la rapportes. Jamais la balle de baseball, d'accord? Et Belinda aime qu'on se couche à ses pieds pour la réchauffer quand elle lit. Oh, Ben et Clara adorent jouer à chat pendant l'été et à cache-cache pendant l'hiver. Très important, laisse gagner Clara. Ça lui fait tellement plaisir. Zeus, arrête ton numéro de tragédien. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sens... Oh, t'as encore lâché une caisse! Des ennuis. Génial, il manquait plus que ça. J'ai un cas de conscience maintenant.
Soit je choisis petit A, de me sauver en abandonnant ce chiot sans défense à ses loups, sans parler de la somptueuse demeure de tante Barbara et de ses trésors, ou petit B, je choisis de ne pas déserter le champ de bataille et je montre à ces voleurs, comme à toute la famille, pourquoi je suis resté si longtemps numéro 1 de ma division de chiens policiers. Attends, tu vas pas m'abandonner là, n'est-ce pas? Être le chien de la maison implique d'énormes responsabilités. Et ce n'est plus mon rôle. Il va revenir. Enfin, j'espère. Descendez, les enfants. On va chercher des places. Très bien. On vous rejoint tout de suite. George? Oui? C'est pour qui, ces textos? Quel texto? T'as vu où des textos? Je suis nul à ça. Je sais pas textoter. Mais j'aimerais savoir naviguer sur les réseaux sociaux. Qui est Sarah? Sarah? Mm-hmm. Sarah... Oh, crache le morceau, ça suffit maintenant, mais d'accord? De quoi tu parles? Tu envoies des messages sans arrêt, tu te téléphones en secret? Non, bah arrête, tu te fais des idées, je t'assure, chérie, j'ai pas... Oui, bon, d'accord, c'est vrai. Sarah est une amie. Oh, une amie? Oui. Alors là, excuse-moi, mais c'est très difficile à croire parce que pour autant que je sache, tu n'as pas d'amis. Oui, mais sauf que j'en aurai quand je serai sur les réseaux sociaux. Non, mais fais-moi confiance, c'est pas du tout ce que tu crois, je te le promets. Oh, d'accord, si je peux te faire confiance, montre-moi ton portable. Mais attends, est-ce que je contrôle ton portable? Pourquoi tu refuses? Non, c'est personnel. George, non, puis de moi, toute je évidence, me cherche... tu me caches quelque chose, et ce n'est pas le moment de me faire des cachotteries. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que je peux ressentir? Oui. Je suis comme une montgolfière qui refuse de décoller, mes pieds sont gonflés, je suis hyper émotive, et j'ai mais le cerveau qui mouline en permanence. Tu sais ce que je fais toute mais cette si, journée? Je ne crois pas que tu puisses l'imaginer. Je suis fatiguée, je te signale qu'un autre enfant sera bientôt là, alors il faut que tu te mettes à la page. Et qu'on soit enfin sur la même longueur d'onde. C'est lequel, le meilleur réseau social? Oh. Par là. Ah, mais... C'est quoi, cette serrure? J'ai jamais eu ce truc-là avant. Une Messerschmatt. Une messe de quoi? Une Messerschmatt. C'est une marque allemande. Ça peut se crocheter, ça? Impossible. Bon, t'aurais pas une carte de crédit, par hasard? Abracadabra. Merci. José Juanito González, 100 kilos pour 1m90. Non, mais tu plaisantes? Je lui ai fait les poches au club de gym. Ouvre grand les yeux et prends des notes, mon petit Steve. On a capété le carreau. Chut, j'y suis presque. Avec moi, question serrure, le mot impossible sort du lico. Ferme la porte. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Un chien? Ah! Ils ont adopté un chiot. Hey, salut toi! Restez où vous êtes, où je vais vous... Tu vas passer un sale quart d'heure. Elle a l'air dangereuse. Et c'est pour qui, ça? À trois, on lui saute dessus. Hey, tout doux. Tu pourras pas nous échapper. Oh non, ces voyous, ils ont pas l'air commodes. Un, trois. Zeus, arrête! Elle a pas résisté longtemps. On te tient. On va l'attacher ici. D'accord. Tu restes à la cuisine et tu es bien sage. Nous, on va chercher l'étoile. Au secours! Aidez-moi! Zeus! Oh, je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Je n'ai rien à te dire, George Bannister. Ah, bravo, papa. Ah oui, là, c'est pas très malin de ta part. Je ne m'attendais pas à de telles bassesses. Et c'est pas ce que vous croyez. N'essaie pas encore de te défiler en louvoyant. Et admets ce que tu as fait. Je n'ai rien fait de mal. Oh. On a passé de bons moments ensemble, pas vrai? Thank you.
j'aimerais tellement que Zeus soit là. Tu m'étonnes. Zeus! Je suis pas fâchée de te revoir, grand frère. Bouge pas, bébé. J'ai des comptes à régler. Ouvre l'œil. On pourrait tomber sur Zeus. Ouais, je vois ça d'ici. Ça suffit, regarde! C'est magnifique. Oui, magnifique. Bon, comment on va décrocher l'étoile? J'ai vu une tronçonneuse dans le jardin, on coupe le sapin à la base et hop là! Quoi, une tronçonneuse? Mais Steve! Tu vas tout de suite faire le tour et grimper là-haut. Tu prends l'escalier et une fois au premier, tu te penches le long de la rambarde et tu décroches l'étoile et on s'en va! Non, j'ai le vertige là-haut! Ne te pose pas de questions, exécution! J'ai le vertige! Tu le sais. Très bien, alors c'est moi qui m'en charge, mais tu nous fais pas d'embrouille. On n'est pas là pour rigoler. Je l'ai eu. Mon grand frère va vous donner une bonne leçon, vous allez voir. Attention. Attention. Ne touche pas ce paquet. C'est fou ce que demandent des petits, non? Salut les gars, je vous ai manqué. C'est Zeus. C'est Zeus. Il faut qu'on l'attrape. Allez, debout. Dépêche-toi. On va le coincer. Il est monté à l'étage. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, si je t'attrape. Non. Ne lui cours pas après. C'est exactement ce qu'il souhaite. Il faut qu'on soit plus rusé que lui. Suis-moi par là. Je crois que je vais avoir besoin de renfort. Je me demande si Francine est de permanence ce soir. Polly, j'écoute. Quel est votre problème? Allô? Rien de mieux qu'une brigade spéciale pour de joyeuses fêtes. C'est quoi ton plan, Ted? Chut! La stratégie, c'est de laisser Zeus venir gentiment jusqu'à nous. Pourquoi on attend devant la porte d'entrée? Chut, ah, mais boucle-la et passe-moi mon filet! Vite, Steve! Dépêchons-nous de partir avant que Zeus revienne! Vous avez compris à qui vous aviez affaire, hein? La fine fleur de la brigade cynophile. Il est temps de sonner la... Oh! On fait moins le malin, hein? Qu'est-ce qu'il dit, là? Le super chien policier. Regarde ce que je t'ai apporté. Joyeux Noël. Ça va te clouer le bec pendant un bon petit bout de temps, ça. Voilà. Croise les doigts pour que je le garde, mon vieux. Hé, hey, touche pas, mes bonbons pour chien. T'es moins bavard, hein? Steve! Quoi? Envoie la corde, s'il te plaît. Y'a rien à se mettre sous la dent, ici. Ah, tu n'es qu'un ventre. Bon, là, tu vas te tenir tranquille. C'était pas dans mes plans. On retourne près du sapin. Attrape mon sac. Allez, vite! On décroche l'étoile et on la donne à Tony Roro. J'ai une idée. C'est génial, tu vas voir. On joue au cow-boy. Allez, admire un peu le style. On recommence. Zeus? Oui? Je dois t'avouer quelque chose. Je regrette de pas avoir été gentil avec toi. C'est vrai? J'ai vu que les Bannisters t'adoraient, alors j'ai eu envie d'avoir tout cet amour pour moi. J'imaginais qu'en me dévalorisant à leurs yeux, ça me donnerait plus de chances de gagner leur cœur. Mais ça, c'était une grave erreur. Et maintenant qu'on est dans cette sale situation, le seul point positif, c'est que ça m'a fait comprendre à quel point j'ai été méchante avec toi. Et je m'en veux terriblement. On dirait que tu grandis un peu. Ouais, j'ai l'impression. Moi aussi, je suis désolée, Eve. Pourquoi? J'aurais dû plus me comporter en grand frère au lieu de rentrer en compétition avec toi. Parce qu'en réalité, je suis heureux d'avoir une petite sœur. Tu le penses sincèrement? Aussi sincèrement que j'aime l'os à moelle. J'ai beaucoup de chance d'avoir un grand frère comme toi. Dommage qu'on n'ait pas passé plus de temps ensemble. J'ai l'impression que c'est la fin de mon stage éducatif. Non, petite. Tu as encore des choses à apprendre. Même quand tout espoir paraît perdu, tu ne dois jamais abandonner. C'est bien joli, ça, mais... Laisse les mets aux pleurnichards. C'est pas le moment de baisser les pattes, petite sœur. Je vais te montrer comment sauver Noël. Cool. Fais comme moi. D'accord. Attends, tu vas voir, je vais réussir. Oh,
le jour de Noël, à 1h du mat. On est en retard. Mets le turbo. Ces gars-là doivent pas être dans leur état normal. Je les ai clairement menacés, non? La dernière fois que deux petits marioles m'ont fait poireauter comme eux, j'ai gardé leur pouce en souvenir dans un bocal à cornichons. Ils vous ont peut-être doublé en voulant embarquer l'étoile. Mais ils sont sûrement déjà en chemin pour l'Amérique du Sud. Ouais, ou les Fidji. En tout cas, ce que ça prouve, c'est que si tu veux qu'une chose soit bien faite, tu dois la faire toi-même. Oui, patron. Vérifie que ça coupe bien. C'est bien. Continue à tirer. On est presque libre. On forme une super équipe, tu trouves pas? Ouais, extra. Waouh, bravo Eve. Vilaine corde, je vais vous déchiqueter. Viens, t'as pas le temps de te faire l'écrou là-dessus. Ah oui, on a une mission. On se concentre. Hop là. Ted, s'il te plaît, regarde. Steve! Génial! C'est une merveille! Ah, t'es assuré, mon pote. Quelle beauté! Est-ce que je peux sentir? Non, mais dis donc, ça va pas à la tête! Pas question que tu colles ta grosse truffe là-dessus! Allez, on va la porter à Tony Rowe. Oh oui, ça pourrait marcher. On prend un bain ? Pas exactement. Mais cette mousse va nous être très utile. Oh, et mets ça sur tes oreilles au cas où. Tu plaisantes ? C'est pas le moment de faire des chichis. Et en parlant de ça, excuse-moi une seconde. Je croyais que c'était interdit de boire dans les toilettes. À la guerre comme à la guerre. Et en période de guerre, tous les coups sont permis. Génial, on a l'étoile. Les chiens sont fait la malle. Oh. Ah. Cours, filons en vitesse. Ted, 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 Ted. Ils sont deux maintenant, c'est deux fois pire. Zeus et son clone, j'ai peur. Attention, pas bouger. Il a de l'écume aux lèvres, ça veut dire qu'il a la rage comme le chien dans Cujo. Ah, ça c'est un bon film. Il me colle la trouille. Restez où vous êtes tous les deux. Ted, garde ton sang-froid. Je suis glacé. Ça sent bizarre. C'est pas de l'écume. C'est de la mousse de savon. Non mais tu la sens pas? Oh si, et c'est du haut de gamme. Oh oh, Zeus. D'accord. Cette fois-ci, c'est terminé. Grâce à ça, c'est coucou, je paye tout de suite. Ton bazar ne leur fait rien du tout, je t'avais dit de l'essayer avant. On a des protège-oreilles, bande de nuls. D'accord, quelle camelote. Mais on peut s'en passer. Même à main nue, je suis capable de maîtriser cet enragé. Je vais me mettre en compote. Je peux même commettre un génocide volontaire. Non. Vous espériez peut-être me fausser compagnie. Où elle est, mon étoile? Elle est juste là, monsieur Rowe. On l'a décrochée pour vous. Tenez, la voilà. Passe-moi la loupe. On est quitte, n'est-ce pas? On s'est fait avoir, les gars. Quoi? Comment ça? Les diamants sont faux, c'est de la verroterie, de la pacotille, sans doute fabriquée en Chine. Non, j'y crois pas. Pourtant, c'est comme ça. Bon, assez parlé, comptez les jambes maintenant. Donnez-moi vos pouces. Ah, non, s'il vous plaît. Non, 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 non. Au marché noir, ça peut rapporter gros. Attendez. Non, 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 détends-toi, ça va aller. Pense à des choses agréables. Ouais, c'est ça. Suis-moi, Eve. T'auras moins mal si t'y penses pas. Pitié, pas ça, non. Non. Ça va faire mal. Attention, patron! Couchez-vous! Oh, mais t'as vu? Zeus nous a sauvés. Police de Malibu! Des crampons d'ici en vitesse! Personne ne bouge! Mains en l'air! Non, 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 viens par ici! À vous de jouer, les gars! Ma petite sœur et moi, on vous a mâché le travail. Exact.
Regarde ce qu'on a pêché. Ce requin de Toniro, l'usurier aux dents longues. Un gros poisson. C'est toi, maman? Non, et c'est pas l'heure du chocolat au lit, debout. Allez, tu vas finir ta nuit au poste. Tiens-toi tranquille. Doucement dans les marches. Pas de blague, d'accord? Je vous avais avec les deux. Alors, tu vois quelque chose? J'ai jamais vu ces deux clowns de ma vie. C'est trop beau pour être vrai. Quoi? Toniro et ses deux molosses se sont fait serrer par la police. Qui c'est ces gens? Je parie qu'ils vont vous raconter qu'ils habitent ici. Faut pas les croire. Nous signale un braquage à l'angle de la 8e et de la 12e avenue. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ces trois-là cambriolaient votre maison. Quoi? Le soir de Noël? Ouais, chez nous, c'est devenu une habitude. Madame, j'ai été piégé par deux sales types, mais je suis innocent, moi. J'espère qu'il va moisir en prison. Tais-toi! Tu réalises? S'ils les embarquent? Ben quoi? Ils nous libèrent! Il n'y aura plus de Toniro, plus de dettes à rembourser, et on pourra enfin aller là où on rêve de poser nos valises. Au Vatican? Mais non, crétin! À Miami! Un lutin m'a frappé par derrière! Ils ont rien pris, mais c'est grâce aux deux chiens qui étaient là. Aux chiens? Aux chiens? Ouais, apparemment, deux labradors se sont mis en travers de leur chemin. C'est incroyable! Ça tient du miracle! C'est fabuleux! C'est normal, je vous en prie. Excusez-moi, j'ai un fusible à changer, vous permettez? Pardon, messieurs. Merci. Direction la casse-prison, Tony. Viens par là, mon Dieu. Papa voulait pas se mettre en boule contre toi, mais non. Tu sais bien que ton papa t'adore, hein. Et puis toi aussi, la petite crapule. Tiens, chérie, prends Eve. Voilà, attention. T'es un bon garçon, Zeus. J'aimerais pouvoir en dire autant de toi, George. Oh, je t'en prie, Belinda. Essaie une seconde de me faire un peu confiance. Qu'est-ce qui se passe? T'auras une explication dans 2 minutes. Sarah Sattler? George Bannister? Ouais. Merci de vous être déplacé. C'était la moindre des choses. Je me sens malheureusement en partie responsable de cet énorme malentendu. Alors tenez, la voilà. Merci. Exactement comme vous vouliez. Merci infiniment. Ma chérie, je te présente Sarah. Sarah Sattler, de la bijouterie Sattler. J'étais basée à Atlanta, mais maintenant on est à Malibu. On profite de la vie. Oh, vous aviez raison, c'est vrai. Son sourire est un véritable soleil. Ouais, c'est ce qui m'a fait craquer la première fois que je l'ai vue. En plus, elle est encore plus rayonnante quand elle est enceinte. Je me sens si confuse. C'est rien. Passez un bon Noël tous les deux. Au revoir. Merci encore. Georges, qu'est-ce que tu fais? Je te demande pardon pour les cachotteries. Je voulais pas. Enfin si, mais pas comme ça. Moi, je voulais juste te faire une belle surprise. De quelle surprise tu parles? Pour notre anniversaire de mariage. Oh. Belinda Theodora Bannister, veux-tu m'épouser encore une fois? Oh, chérie. George. Lis ce qui est écrit à l'intérieur. Oh. Avec tout mon amour, ton ours câlin pour la vie. Oh, George. Je me sens si ridicule. Eh ouais. Oh, et c'est la pierre de... Oui, de la première paire de boucles d'oreilles que je t'ai offerte. Mon premier cadeau de toi, oh George, c'est tellement romantique. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh oui, bien sûr, je suis prête à t'épouser encore une fois, George Bannister. Voilà, ça fonctionne. Génial, oui. Ouais, mieux vaut tard que jamais. Cette fois, j'avoue ma défaite. Vous avez gagné. Ah, finalement, vous avez de la jugeote. Ne laissez pas le succès vous monter à la tête. Hier encore à Halloween... Je me souviens, oui. Vous savez, il y a... un immense salon des illuminations de Noël qui se tient au printemps. On y présente tout ce qui se fait de mieux en matière d'éclairage. C'est celui de Boston. Ben ça, vous connaissez votre affaire. J'ai toujours rêvé de m'y rendre, sauf que je n'avais aucune envie d'y aller toute seule. Et dans ce cas... Oui, ça, c'est...
Bah, ça serait peut-être pas une mauvaise idée qu'on y aille tous les deux. J'en serais folle de joie. Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi. On vous souhaite un joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année. Joyeux Noël à tous. Et une très bonne nuit. Faites de beaux rêves. Tu crois que cette étoile existe vraiment? Regarde un peu ce magnifique coucher de soleil sur la mer. Ben pour moi, ça c'est un vrai trésor. Tu vois, parfois on cherche loin, alors que tout est à nos pieds. Oui, je suis d'accord. Enfin là, on a surtout de l'eau à nos pieds. Et je sais pas nager. En tout cas, très joli. On peut nager dans le bonheur maintenant. Ça y est, on est libre. Et on va en profiter. Bonne idée. Par quoi on commence? Aucune idée, mais j'ai un petit creux. Ça te plaît? Allez, on prend. Agite ta clochette. Ça, c'est de la bande-son. Ressaisis-toi, mon vieux. Hé, t'as pas peur, vas-y. Steve, paf-moi, allez. Ressaisis-toi, mon vieux. Vas-y, t'arrêtes pas, il faut y aller. Paf, du revers de la main, allez. Ressaisis-toi, Steve. Oh, elle est trop craquante. Elle est mignonne. Quel amour. Elle est trop chaude. À tes souhaits. Ah oui, c'est la nature. Écoutez-moi, j'ai pas terminé. Mais sans moi, ça. Je vais pas me contenter de... Quel parfum, je trouve qu'on sent bien ce que j'ai mangé ce midi, non? Pardon, désolé. Les habitants du pôle Nord me sonneront prochainement pour que je leur donne enfin un blabou. Essaie de rester dans tes marques quand tu parles, d'accord? Marrone. En italien, dans le texte.